oui, il est rangé, mon appart. Arrête de t'en faire pour moi, maman. Je sais bien que tu t'inquiètes, mais si je te dis que tout va bien, c'est que tout va bien. Bon, allez, cette fois, je dois vraiment te laisser parce que j'ai rendez-vous au café avec Harry. Allez, bisous, maman. Bonjour Madame Hubert. Bonjour Cléo. Que désirez-vous, mademoiselle? Je vais prendre un jus de fruits, s'il vous plaît. Pas de soucis, ça arrive tout de suite. J'ai un jus d'orange, c'est ici? C'est ça. Et voici, bonne journée. Attends, excuse-moi. Oui? Est-ce que tu aurais une idée d'où je pourrais réparer la vitre de mon téléphone, s'il te plaît? Oula, perso, je suis pas du coin, je suis juste saisonnier ici. Après, je fais des études en téléphonie, donc si tu veux, je peux réparer ta vitre. Ouais, voilà. Ouais, bah super, merci beaucoup. En fait, comment ça se fait qu'une jeune fille comme toi soit seule à boire un jus de fruits et à parler à un petit serveur? N'importe quoi. J'attends juste quelqu'un, mais on va dire qu'il a pas l'habitude d'être à l'heure. Moi, pas l'habitude d'être à l'heure. Oh, t'es con, tu m'as fait grave peur. Harry, je te présente Arthur. Du coup, vous êtes en couple? Nous? Ah non, non, pas du tout. On est juste meilleurs amis depuis un très très long bout de temps. Ouais, on compte plus trop les années maintenant. Ah d'accord. Bon bah, je vais devoir vous laisser moi parce que je sens que ça va gueuler après. Allez, tchuss. T'inquiète, de toute façon, j'ai ton numéro, donc pour mon téléphone, on se redit, hein. Ouais, ça marche. Alors t'es comme ça, toi, maintenant. Je te laisse 10 minutes toute seule et tu te fais draguer. Tais-toi. Tu sais, je voulais te dire à propos de ton serveur là, de tout à l'heure, Arthur? Ouais. Bah, je le sens pas, ce type. Enfin, je sais pas. Il y a vraiment quelque chose qui me dérange, t'as pas remarqué? Bah, non, pas du tout. Pourquoi? Je sais pas, franchement, fais gaffe. T'assure, il y a quelque chose qui me chiffonne avec ce type. Alors, bon, fais attention. Oh là là, mais t'inquiète pas, je vais faire attention. Cléo, je suis sérieux quand je dis ça. Oui, oui, t'inquiète. T'inquiète pas pour moi, si je te le dis, c'est que c'est vrai. Ouais, t'as sûrement raison. À demain. À plus.